وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. L'imam Abu Dawood rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait laver quelqu'un le jour du vendredi et qui se lave lui-même, ou bien plusieurs interprétations pour dire man ghassala, ou bien qu'il fait laver dans le sens où il rapproche sa femme le jour du vendredi, ou bien dans le sens où il exagère dans le roussel, donc qu'il fasse le roussel bien comme il faut et qu'il lave ses vêtements bien comme il faut, qu'il soit propre, puis qu'il vient tôt à la mosquée et qu'il y vient en marchant sans monter sur sa monture. Donc si on habite très loin, même on met la voiture plus loin, on marche un petit peu, et qu'il s'approche de l'imam et qu'il écoute avec attention et qu'il n'est pas distrait, il aura pour chaque pas qu'il aura fait les actes d'une année entière, comme s'il avait jeûné et prié pendant une année, pour chaque pas. Donc imaginez-vous tous les pas, celui qui vient tôt et qui marche, la récompense énorme qu'il a auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si cette récompense juste pour venir à la prière, elle est aussi grande, alors imaginez-vous encore la récompense de la prière et de l'écoute du Jumu'ah en lui-même. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.